fait appeler la Sibylle pour connaître ton destin. Tu as eu cette audace, toi qui as commis un nouveau crime. Pour vivre avec Hermione, tu as assassiné ton épouse. Mais elle t'a laissé une fille qui sera la cause de ta ruine. Ainsi en ont décidé les dieux pour te châtier. Cette fille grandira et un jour elle connaîtra l'amour. Et ce jour-là, tu mourras. Arrête, Cadmos, ce serait inutile. Si pour te soustraire à ton destin, tu assassinais ta fille, sache qu'aussitôt ton cœur cesserait de battre. Très bien, alors puisque les dieux en ont décidé ainsi, ces dieux, je les renierai, je les chasserai tous de la Crète, je brûlerai leur temple. Et mon peuple m'adorera, moi, le roi Cadmos, comme son dieu unique. Bien, Hermione. Bien. Il faut que nous nous défendions. Je t'enseignerai mon secret. Toi aussi, tu te baigneras dans les vapeurs sacrées qui rendent invulnérable. Et alors, toi, mon épouse, tu seras pareil à moi. Chacun de nous a son talent d'Achille. Tu n'es pas très clair. Je ne serais pas grand prêtre si j'étais clair. Nous n'avons plus rien à craindre désormais. Il reste encore une chose à faire. Éviter que la prophétie se réalise. Empêcher Antiope d'aimer. Si tu la tenais à tout jamais prisonnière, isolée de tous, aucun homme ne pourrait rencontrer son regard. Réjouis-toi, Antiope. Le grand jour approche. Les prêtres préparent déjà la cérémonie.
Les prêtres, tu dis? Alors, au temple, il y aura des hommes à Marette. Les prêtres ne sont pas des hommes. Ce sont des femmes? Non, ce ne sont pas des femmes. Ce sont des prêtres. Oh, ça va faire bientôt 18 ans que je suis cloîtrée. Et pour une fois que j'en sors, je ne rencontrerai même pas un homme. C'est mal de penser aux hommes, tu le sais. Lucina y pense, elle. Lucina a tort. Tous les hommes sont brutaux, il l'est. Ils sont une erreur des dieux dans la création de l'humanité. Il est heureux que les dieux se trompent aussi, parfois. Mais s'ils sont affreux comme tu prétends, pourquoi les femmes les aiment-elles? L'amour. Seuls les êtres inférieurs ont le droit d'avoir ces sentiments. Toi qui es la fille du roi de Crète, tu deviendras prêtresse. Tu aimeras et épouseras un dieu. Les dieux t'ont déjà appelé au plus glorieux destin. Les dieux, c'est mon père qui l'a voulu. Ton père est notre dieu. Tu ne dois pas l'oublier. Des dieux. Ces dieux qu'un jour lointain vous avez offensés et défiés. Ordant sur la terre, un autre homme continue à provoquer le divin Jupiter. Il a nom Cadmos, il est roi de Crète. Aujourd'hui, il croit avoir vaincu la destinée en asservissant le sort de sa fille à ses cruelles volontés. En ce jour, Jupiter vous offre à vous, les titans, l'occasion de vous racheter. Il a décrété que l'un d'entre vous serait chargé de ramener aux enfers ce roi présomptueux. Mais il faut faire preuve d'intelligence pour arracher Cadmos à son royaume. C'est pour cette raison que Jupiter t'a choisi, toi, Krios. Tu es le moins fort et le plus ingénieux de tous tes frères. Si tu réussis dans ton entreprise, vous, les titans, vous serez rendus à la liberté. Il était temps que Zeus se souvienne enfin de notre existence. Dis-lui que j'irai en Crète. Fais-lui savoir que ce sera avec joie. Et si la fortune m'accorde ses faveurs, je rendrai bientôt la liberté à mes frères. Par la volonté de Jupiter, te voilà libre de revoir à nouveau la douce lumière du soleil. Tu vas redevenir un homme. Mais un homme mortel, un homme vulnérable, et ton unique recours, ta seule défense, sera ton intelligence.
ont inauguré ce masque de carnaval. Ça représente le roi. Et c'est cette horreur qu'il verra. Allez, rentre à la maison, imbécile. J'ai 100 lacs. Qu'est-ce que j'achète? Un cheval ou une femme? Achetez mes étoffes, citoyen. J'en ai de toutes les couleurs. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les races pour égayer la solitude de votre maison et votre silence. Le roi passe quelquefois au marché. Hé, je veux simplement connaître ses habitudes. Un sujet dévoué doit connaître son roi, non? C'est curieux. Chaque fois que je pose une question, on ne me répond pas ou on fuit ma compagnie. Bon. Enfin, voici quelqu'un à qui il est possible de parler. À vous qu'on croirait une cité de muets. Je me nomme Krios. Et toi, comment t'appelles-tu? Achille. Mais dis-moi, vous êtes donc privé de langue en Crète? Tous. Mais toi, tu es muet de naissance, tu n'as jamais parlé. Pas de chance, pour une fois que j'en trouve un qui veut parler, je suis de la revue, il est muet. Et voici la bête. Notre roi va être probablement content, c'est la perle, le joyau de mon élevage. Accompagne Achille au palais. J'espère que cette fois Cadmos ne me fera pas fouetter. Tu vis au palais royal? Tu es un ami du roi? Il sort souvent du palais, le roi. Ça doit être très joli quand il sort. Les soldats, les chevaux. J'aimerais voir ça une fois. Tu sais, je suis un gars de la campagne, mais comme eux, je suis plutôt curieux. Je voudrais voir un tas de choses pour pouvoir les raconter aux amis à mon retour. Coupable. 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 Rator. Le collège des juges t'a condamné à mort. Toutefois, en sa grande sagesse, notre souverain a décidé de t'accorder une chance de survie et il t'offre un moyen unique d'éprouver ta force. Pendant les fêtes du temple, tu livreras un combat à mort contre d'autres condamnés. Et si tu es vainqueur, le roi, dans son immense bonté, te fera grâce de la vie et te prendra à son service à la cour. Garde, emmenez-le. C'est une parodie de justice, pas autre chose. C'est une imposture, une ignominie, une monstruosité. Je ne suis pas d'ici, je viens de la campagne, mais je dois dire que vos usages sont écœurants. Mais regardez-vous, vous êtes pire que des monstres. Chacun sait qu'un roi doit servir son peuple et non le réduire en servitude. Mais Cadmos est d'origine divine, à ce qu'il dit. Comme si on ne savait pas qui était son père. Comme... Oh, et puis à quoi bon? Tes paroles me déplaisent. Tu as la langue trop bien pendue. À ta place, je serai plus discret. Ah, tu me la bailles belle. Je ne suis pas un sbire, ni un esclave. Je suis libre, et tant que je serai libre, je parlerai. Ah oui? Arrêtez-le! Attrapez-le! Dieu, mais où est-ce que tu as la tête?
Plus tard. Il est passé par là. Non, par ici, ne perdons pas de temps. Venez. Levez-la. Levez-la. Ne laissez pas échapper, je suis vite par là. Ça vient des tours. Il ne peut plus nous échapper. Tirez avant qu'il disparaisse. Bonjour. Bonjour. Mélas. Mélas. Tu permets? Vas-y. Prends-toi, tu es pris. Oh, c'est un vrai démon. Il y a des siècles que je ne me suis pas autant amusé. Comment ça va, ma beauté? Décidé à m'arrêter. Doucement. Un peu d'air. Doucement. Doucement, je vous dis. De là. Ah, elle est chaude. Allez, va m'en chercher d'autres. Cours et remue-toi. Oui, Rator, tout de suite. C'est l'eau du tonneau. J'y suis pour rien. Avance. Installe-toi dans un coin. Jusqu'à demain, tu y seras en bonne compagnie. Ce sont tous de braves gens. Et tâchez de devenir vite bons amis. Demain, je crains qu'il ne soit trop tard. Eh ben, ça commence bien. Eh, hey, toi. Qui ça, moi? Oui, toi, à qui crois-tu que je parle? Il y a des gens qui parlent tout seuls, des tas. On rencontre si souvent des abrutis. Tu te crois malin, peut-être. Fais-toi voir. Demain, moi, je te tuerai. Souviens-t'en. Tu crois? Lève-toi un peu. Lève-toi. Attends-moi un petit instant. Hein? Excusez-moi. À présent... Casse-le.
sujet à la colère, vaniteux en outre, et aucun sens pratique. Oh, pardon. Voilà, j'ai ton eau. Elle est chaude. Et tu te laisses jeter l'eau en pleine figure sans protester? Il est gros. Flanque-lui une raclée. Eh ben, ça m'emballe pas beaucoup. Fiche-lui une raclée, je te dis. Tu insistes? Alors tu vas le payer cher. Je te ferai mourir. Et j'y mettrai le temps. Je te briserai les os un par un. Silence, allons, silence! Le premier qui bronchera sera mis à la torture. Silence, j'ai dit! Ne troublez pas les cérémonies sacrées de Cadmos. De Crète, seul Dieu et seul Seigneur du ciel et de la terre, consacre à présent cette cérémonie à la gloire de mon culte. Hé, hey, psst, qui es-tu? Je suis la fille du roi. Du roi? De quel roi? Du roi de Crète. Je suis la fille de Cadmos. Par les dieux, tu es belle. Tu es vraiment belle. Je n'aurais jamais cru rencontrer une femme avec des yeux comme les tiens. Ton sourire est si lumineux que je sens que je vais m'envoler vers le ciel. Hé! Psst! Je me nomme Krios. Oh, que tu as des yeux extraordinaires. Tu es un homme? Oui, enfin, c'est ce que j'ai toujours cru. Les hommes sont une erreur des dieux, à ce qu'on dit. On dit également très souvent ça des femmes. Pourrais-je t'en voir? Je pense que ce qu'il y a de plus important quand un homme rencontre une femme avec des yeux aussi beaux que les tiens. Antiope! Tu pèses lourd. Moi, Cadmos, ton seigneur, ton roi et ton dieu, je te consacre, toi, Antiope, prêtresse du dieu de l'île de Crète. À partir de cet instant, tu me dois amour, obéissance et fidélité jusqu'à l'heure où tu quitteras ce monde. Lorsque le nouveau temple sera terminé, tu seras dans la chasteté et la solitude, la gardienne du feu sacré. Allons debout, Tasphénéan. Il fait une merveilleuse matinée de soleil, un jour idéal pour mourir. Deux d'entre vous qui seront tirés au sort se rendront au temple et combattront devant le roi. Le survivant de cette lutte se battra contre un troisième tiré au sort, et le vainqueur combattra contre un quatrième, et ainsi de suite. C'est simple, efficace et logique. L'ultime survivant sera gracié. Allons, voyons, dans quel ordre allez-vous lutter?
Choisissez vos gueules. Dépêchons-nous, mes enfants. Allons vite, allons avancer. Avancez. Tu as choisi l'arme la plus longue et la plus lourde. Ça veut dire que tu es le plus fort. Il est donc juste que tu combattes en premier contre celui qui aura une épée un peu plus petite que la tienne. Puis ce sera à toi, à toi, à toi. Et celui à qui il restera l'épée la plus courte, c'est-à-dire toi, combattra le dernier. Vous avez tous bien compris, nous sommes tous d'accord. Bonne chance, allons-y. Oh mais c'est lourd ce machin-là. Oui, mais c'est du solide. Oui. Quand on sait s'en servir, je ça fait mal. Ça va se passer, mais ça va être sanglant. J'ai vainqueur, j'en me retire à la campagne. Moi, j'aimerais mieux jouer ça au dé. C'est bien ce que je disais. Tout en muscles et rien dans la cervelle. L'un de vous deux doit mourir. À vous de choisir. Mourir en tombant dans le feu ou bien en s'empalant sur les lances. Que le meilleur l'emporte. Le feu! Jamais l'un de vous ne l'a vue, vous m'étonnez. Elle a des yeux qui ressemblent à des fleurs du ciel. Et lorsqu'elle sourit, c'est comme si l'aurore éclairait le monde. Elle dit qu'elle est la fille du roi. C'est peut-être vrai. Tu as bien servi au palais, toi. Est-ce possible que tu ne l'aies pas vue une fois? Que tu ne saches pas où sa chambre se trouvait? À toi. Qu'est-ce que tu écris? Ton nom sur le mur? On le gravera au cimetière. Hé, est-ce que tu voudrais gagner un drachme? En échange de quoi? Je meurs de froid. Donne-moi un peu d'huile que je puisse me frictionner. Ça m'empêchera de geler. D'abord l'huile. Formidable, tu verras. Formidable. Voyons ça. Hey.
Attention au feu, ça brûle! Suffit. Il n'est pas nécessaire de tuer. Sois généreux autant que sage, dieu de la Crète. Fais-lui grâce de ses jours. Comment t'appelles-tu? Krios. Je suis le plus dévoué de tes sujets. Relève-toi, Krios. Ton vœu va être exaucé. Cadmos! Vive le roi! Combattre en ta divine présence était le seul moyen de t'approcher. Et je désirais tellement te parler, je désirais tellement te connaître, te servir, que j'aurais couru tous les risques. Je t'avoue que ta façon de combattre est celle qui a toute ma préférence. L'habileté contre la force. Tu aimes les taureaux, Krios? Eh bien, c'est-à-dire, eux et moi pouvons à la rigueur sympathiser, à condition qu'entre nous il y ait un mur. Ah. Il y a des siècles qu'en Crète, jeunes filles et jeunes gens se préparent au combat de la reine. Pour eux, vois-tu, c'est un honneur de lutter ainsi sous nos yeux. L'esprit et le muscle d'un côté, la force brutale du côté opposé. Qu'est-ce que je vois là? Tu connais Achille? Oui, oui, on a fait connaissance le jour où on m'a arrêté. Ah. Je savais qu'il vivait au palais, mais j'ignorais ce qu'il y faisait. Je savais seulement qu'il avait la joie de te servir. Achille est le serviteur idéal. Ses oreilles sont longues et sa langue est courte. Il écoute et se tait. Le moyen le plus sûr pour vivre heureux. Thank you.
fois, sans drague sur le taureau, personne ne réussira à le mater. Entendu, je tiens le pari. Moi aussi, je mise le grand drague sur le taureau. Oh, tu sais, j'ai l'impression que ce sera passionnant. Attends, je n'ai pas encore donné ma mise. Mise. Moi, je mise sur l'homme. Et toi, tu ne joues rien? Oh, je ne joue que sur moi seul, jamais sur les autres. Toujours l'intelligence qui l'emporte. Souvent, contre la beauté, l'intelligence est impuissante. En ce qui me concerne, le seul rapport que je conçois avec un taureau, c'est la fuite. Les paris ont en tout cas ceci de bon, c'est que le roi gagne chaque fois. Tu as eu bien raison de ne pas jouer, car l'infortune est toujours avec moi. Est-ce que tu voudrais doubler ta mise au risque de tout perdre? Et qui seront les adversaires? Mes mains contre tes yeux et ton intelligence. Tu permets? Mes mains contre les yeux et l'intelligence de ceux qui aiment le jeu. La perle est sous cette coupe-là. Elle se trouve toujours sous celle-là. Attention aux mains, attention aux yeux. Les mains vont plus vite que la pensée. Vous croyez voir, mais vous ne voyez rien. Vous croyez comprendre, mais vous ne comprenez rien. Attention, le jeu est une illusion, et de l'illusion provient l'erreur. Et l'erreur, c'est perdre au jeu. Courage, allez-y, regardez et décidez. Sous cette coupe, sous celle-ci ou sous celle-là? Non, elle n'est ni là, ni ici. Voici la perle que tu cherchais. Merci. Allons, mes amis, tout le monde peut jouer. Pariez et décidez-vous. Courage, regardez et jouez. À présent, vos yeux contre mes mains et mes mains contre votre intelligence. Ni truc, ni attrape-nigo, seulement l'habileté d'un homme qui montre ce qui n'est pas. Uniquement l'illusion qui truque la réalité. Et c'est la réalité qui vous trompe. Cette fois-ci, je suis sûr que tu ne réussiras pas à me tromper. On dit que c'est le plus jeune qui a été vainqueur au temple. Il s'est débarrassé de tous ses adversaires et il siège à présent à côté du roi. J'espère bien que c'est lui le prisonnier qui a été sauvé. Sa voix était si douce, mais ses yeux étaient pleins de feu. Toute la journée, tu ne fais que parler de ce jeune inconnu. Et lui, toute la journée, ne fait que penser à moi. Alors, comment le sais-tu? Je le sens. À présent, ouvrez les yeux et regardez bien. Votre argent est à portée de ma main. Mais la perle, où est-elle? Vas-y, sous celle-là, celle-là ou celle-ci? Ah, oh, tu as de la chance. Ou disons de l'habileté. Ah. Tu permets? Accordez-moi une revanche. Tu l'auras. D'ailleurs, tous, vous l'aurez. Demain, nous allons partir à la chasse. Que chacun d'entre vous mette là-dedans tout ce qu'il a de précieux. Celui qui rapportera la proie sera riche. Et une couronne d'or lui ceindra le front.
La richesse n'est pas tout sur cette terre. Il faut aussi la gloire. Et toi, Krios, aimes-tu la chasse? J'aime mieux chasser qu'être chassé. Et si demain j'ai de la chance, je compte que la journée me vaudra une belle prise. C'est le rossignol. J'aime pas le rossignol. Prêtresse de Cadmos, cette chambre est triste comme une prison. Malgré cela, je la regretterai. Il se passera du temps avant que ne soit prêt le temple sur l'Acropole. Lorsqu'on attend une chose triste, les heures passent bien vite. Bonne nuit. Tu te souviens de moi? L'homme! Bravo! Tu fais des progrès. Je dis au sens figuré. Mais si tu te couvrais un peu. Me couvrir? Pourquoi? Parce que lorsqu'un garçon et une fille se trouvent ensemble, il est plus sage qu'ils soient vêtus. Spécialement lorsqu'une grille les sépare. Tu es content? Oui, c'est mieux ainsi, pour le moment. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Même ton nom, on n'a pas voulu me le dire. Antiope. 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 Antiope, c'est plutôt moche comme nom. Moi, il me plaît. Pas à moi. Et c'est à moi qu'il doit plaire. N'aie pas peur. Hé, tu parais très vigoureux. Un homme se doit d'être fort, ne serait-ce que pour défendre les femmes. Tu défends les femmes, toi? Et pourquoi défends-tu les femmes, Krios? Tu dis toujours pourquoi, c'est curieux. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi? Parce que je passais par ici. Eh bien non, ce n'est pas là la raison. Je voulais te revoir. Pourquoi? Comment pourquoi? Pourquoi un homme veut-il revoir une femme? Je ne sais pas, c'est pourquoi je te le demande. Parce que lorsqu'un homme comme moi rencontre une femme, et que cette femme a tes yeux, alors cet homme se met à aimer. L'amour est réservé aux êtres inférieurs. Réponds, tu veux m'épouser? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais tu ne sais vraiment rien. J'ai toujours vécu cloîtré, enfermé ici. Épouser veut dire vivre ensemble toute la vie. Suivre le mari, l'homme, l'aimer et lui obéir. Mais, dans ce cas, je suis déjà mariée. Mais avec qui? J'ai été consacrée au dieu de la Crète, je lui dois obéissance et fidélité. Prêtresse d'un dieu qui est ton père? Mais enfin, voyons, jamais on a entendu une ânerie pareille. Jupiter lui-même, malgré tous ses défauts, a d'indéniables qualités de père. Mais le tien n'en a aucune. Jamais je ne tolérerai que tu sois malheureuse. Je t'emmènerai loin d'ici. Je ne sais pas encore comment, mais je t'emmènerai. Je t'aime. Essaie de le dire toi aussi. Je t'aime. Non. Non, pas comme ça, dis-le plus gentiment. Je t'aime. Je t'aime. Voilà qui est mieux. Je t'aime. Je t'aime.
C'est un songe. Un songe merveilleux, mais ce n'est qu'un songe. Souvent, les songes viennent jusqu'à moi pendant la nuit. Ce sont les dons que les dieux accordent à la fantaisie des humains. Et le soleil les reprend, illuminant chaque matin les grilles qui me retiennent prisonnière. Aucune prison ne pourra te soustraire, mon amour. Il n'y a rien du tout. Rendors-toi maintenant. Tu es trop avide. Et l'avidité incite à inventer. Je n'aime pas beaucoup les mensonges. La chasse sans armes? Comment espères-tu capturer ta proie avec tes mains? Pour chaque animal, il faut une arme différente. Quel doit être notre gibier aujourd'hui? Le plus émouvant de tous, le plus difficile aussi à chasser, l'homme. Telle sera notre proie. Je t'avais pourtant demandé la grâce de cet homme. Je lui accorde grâce. À une condition, cependant. Si tu atteins la mer à la bordure du bois, tu seras libre. Lorsque la statue sera à l'ombre, aussitôt nous commencerons la poursuite. Va! Alors, quelle arme choisis-tu pour cette chasse? L'arme unique, l'intelligence. Je chasserai avec toi, Cadmos. Je t'aiderai à regagner ce que tu as perdu au jeu hier soir. Seigneur, la statue est à l'ombre. Lâchez les chiens! La chasse est commencée! Ah!
sont pas distancés, sans quoi nous ne rattraperons jamais les autres. Mais par contre, nous nous rejoindrons à tort. Vois-tu, l'homme qui est chassé réfléchit. C'est-à-dire qu'il cherche à se soustraire à ton intelligence de chasseur grâce à son intelligence de proie. Est-ce clair? Non. Non. Par exemple, que ferais-tu à la place de Rator, toi, pour commencer? Voyons, je chercherai d'abord à me débarrasser des chiens. C'est ça, eh bien, c'est ce qu'il va faire. Rator s'est jeté dans le fleuve, dans l'eau. Nous sommes éloignés de la piste. On n'entend pour ainsi dire plus les autres. Rator passera sous le pont au-delà des cascades et le détruira. Rappelle-toi qu'il est très fort, ce qui fait que les chasseurs seront bien obligés de revenir en arrière pour retrouver le guet. Par contre, par ici, nous y arriverons tout droit. Tu parais inquiet, Cadmos, d'être ainsi demeuré seul. Non, pourquoi le serais-je? Je voudrais que tu me dises ce que Rator fera ensuite. Ensuite, il passera sur les rochers pour ne pas nous laisser de traces. Tu n'as pas fait d'erreur. Allons directement à la falaise. Comme ça, nous lui couperons la retraite. D'accord, on le rattrapera certainement avant qu'il ait réussi à l'atteindre. Tu vois, tout s'est passé exactement comme nous l'avions prévu. Il suffisait de réfléchir. Non, non, mon roi bien-aimé. Je comprends ta déception et j'en suis désolé, mais aujourd'hui, tu rengaineras tes armes. Comment oses-tu ? J'ose parce que je suis le plus fort, parce que nous sommes seuls. Et parce que, avec l'aide de Rator, je vais te faire une belle surprise. Allons, Dieu sur Terre, suis-moi. Te suivre, et où ça? Aux enfers, où tu vas être jugé par les dieux que tu as offensés. C'est inutile, Krios, de chercher autour de toi. Tu ne peux fuir. Je ne crois pas au ragot, seulement dans le doute, je me renseigne. Tu es trop intelligent pour ne pas être dangereux. C'est un envoyé des dieux. Il était venu m'enlever et m'a emmené aux enfers. Je m'offrirai en tout cas la joie de t'empêcher de faire encore du mal. Saute, Krios. Attrapez-le! Tuez-le! Tuez-le! Quoi? Tu veux que je saute? On n'a pas le choix. Bien, Beaubrun,
nous arrivons. Encore un petit effort. Un peu. Où sont les ruines du temple du divin Jupiter dans ce maudit patelin? Hein? Sur la colline. Rejoins-moi là-bas cette nuit. Et que nul ne te voie. Hé, hey, où vas-tu? Faire quelques emplettes en ville. Te voilà enfin. C'est pas trop tôt. Mais explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau pour un ami. Mais qu'est-ce que tu cherches? Dans tous les temples de Zeus, on trouve une entrée qui conduit aux enfers. Et aux enfers, il y a Pluton. Tu veux descendre aux enfers? Pourquoi? Ça me regarde. Je ne vois rien. Ah, tu es complètement fou. On ne voit rien, mais c'est normal. Ce temple a été inondé, submergé, et l'entrée est cachée sous l'eau. Mais où veux-tu aller? Attends-moi ici, j'ai deux mots à dire à Pluton. C'est-à-dire, je suis venu pour te connaître. Oui, j'avais tellement entendu parler de toi que je voulais à tout prix te rencontrer. Et je t'ai apporté un cadeau.
Un cadeau? Et qu'est-ce que tu veux en échange, hein? Allez, chez Pluton, c'est du miel. Tu veux un coup de main? Voilà. Et voici ce que je t'offre. Tu pas mon mignon. Bois. N'aie pas peur. C'est le casque de Pluton qui me rend invisible. Mais ce qui est regrettable, c'est que ça ne marche que la nuit. Je sauverai pourtant Antiope grâce à ça. Rator. 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 Écoute le vent du soir. J'aime pas le vent. Antiope. Antiope. Par tous les dieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Antiope, mon amour. Personne dans ce palais. Non, que je suis bête. Je suis invisible. Désormais, Antiope est en lieu sûr. Elle mourra avant que quelqu'un réussisse à l'approcher, si quelqu'un y réussit jamais. Voyons.
À présent, nous serons tranquilles. On ne nous découvrira pas ici. Alors, où ont-ils emmené Antiope? Sur un bateau? Sur une île? Il y a des soldats dans l'île? Il n'y en a aucun? Mais il y a des serpents. Des serpents sur la tête? La Gorgone. Qui est la Gorgone? Une femme? Non, une sorcière. Et son regard pétrifie les gens. Dis-moi, que comptes-tu faire? J'attendrai la nuit et j'essaierai d'enlever Antiope. À condition que j'atteigne l'île avant l'aube. Et la Gorgone? Oui. Milieu à la Gorgone. Désormais entre nous. Le soleil a disparu. L'obscurité a envahi la terre. Puis la lumière est revenue. La tourmente vient de l'île, Seigneur. C'est là qu'elle a son origine. Elle a éclaté à l'improviste. Ainsi, lorsque Persée a tué la Méduse, la terre a été secouée jusqu'aux entrailles et la mer s'est soulevée jusqu'à toucher le ciel. Tu crois que celle...
Cadmos, tu m'as fait appeler? Préparez les navires. Après que la mer se sera un peu calmée, que la flotte cingle vers l'île, fouillez-la, buisson par buisson. Capturez tous ceux que vous trouverez. Personne ne doit s'échapper. Personne! Personne! Quel est ton métier? Je suis charpentier et j'ai été pêcheur. Et qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Et tu prétends qu'il sait naviguer? Mais si c'est un esclave tellement habile, pourquoi me le vends-tu? Une femme. J'ai compris. C'est entendu. Tiens, prends. Viens. Viens avec moi. La mer s'est calmée. Ah oui. Peut-être pourrons-nous traverser. Reposez-vous un petit peu. Que chacun reste à son poste et soit prêt à reprendre la rame. Espérons qu'on ne nous fera pas aller à terre. J'ai vu pas mal d'endroits bizarres dans mes voyages. La rive des Scylla, la forêt des Harpies. Mais une île comme celle-là... Vite. Par ici, cachez-vous là-dedans. Il faut que la maison paraisse abandonnée. Les soldats, je m'en charge. Je t'aime. Arrête, mon ami. Si tu bouges, je te brise la tête. Crios. Rator, vite par ici. Moi, je ferai peur aux soldats. Je les obligerai à abandonner l'île. Du moins, je l'espère. Toi, va rejoindre Antiope, dans l'arbre creux, auprès de la maison. Si par malheur vous étiez découvert, je suis sûr que tu saurais la défendre mieux que moi. Bonne chance. Il a dû se sentir mal. Relevez-le. Oh, ah! Oh, ah! Oh!
je pense que... Ah, parce que tu penses, toi. Qui t'a demandé quelque chose? Allez, en route. Essaie de dominer ta peur. Oui, oui, j'essaie. Regardez par terre. Donc, il est mortel comme nous autres et il est blessé. Nous n'avons plus qu'à le suivre à la trace, il ne peut aller loin. En avant! Restez cachés. Ils ne vous trouveront pas. Je vais les entraîner plus loin. Profitez-en pour fuir. Krios! Du courage, ne bouge pas. Rator, je te confie Antiope. Sauve-la. Krios! Je t'en prie, ne bouge pas. Il est passé par là. Le sang est encore frais. Serrez les rangs! Regardez autour de vous! Je sais, Jupiter, je sais. C'est ma faute et tu me punis. Tant pis, seulement qui puis-je si mon cœur s'était pris? Comprends-moi pourtant, je ne te demande qu'un peu d'indulgence. On fait parfois des erreurs. En outre, tu montes mon casque. Eh ben, c'est gai. Il ne me manquait plus que ça. Krios! J'étais bien sûr de te retrouver. À notre petit frère.
toi. Passe au barbu. Jupiter nous a libérés. Pour courir à ton secours. Il a très bien compris la situation. On m'a délivré Antiope. Est-ce qu'il y a de jolies filles en Crète? Petit frère, ils t'ont fait du mal. C'est de l'eau du Styx. Pour les blessures, il n'y a rien de tel. Ma foi, c'est un remède à retenir. Et de cela, qu'est-ce que nous allons en faire? Il est à craindre qu'il ne donne l'alarme. Oui, nous ne pouvons pas courir ce risque. Le cap sur la crête, on va rendre visite à Cadmo. Oui, je sais bien que nous sommes forts. Mais nous serions davantage si nous étions armés. Des armes, c'est facile à dire. Est-ce que tu as une idée? Je ne suis jamais à court d'idées. Doula Chigou Dungarabu. Alors, tu as apporté les éclairs? Le jardin du Chidou. Seulement, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai compris. Très bien, ça va te suffire? Est-ce qu'il marche bien, au moins? Bon, pour une fois, tu peux en croire ton œil, va. Au revoir, à bientôt. Où est Krios? Parle! Que je ne croirais à sa mort que devant son cadavre. Parle ou je te tue! Souviens-toi de l'oracle, Cadmos. Si, pour éviter la malédiction des dieux, tu tuais ta fille, à ce même moment, ton cœur cesserait de battre. J'entends que tu restes enchaîné ici tant que je ne serai pas sûr de la mort de Krios. Nous pouvons nous défendre contre les dieux. Tu es un dieu toi-même. Tu es invulnérable. Ce n'est pas un simple mortel qui te vaincra. Porte surveillée de très près. Muraille bien trop haute. Bastion trop bien défendu. Partout des sentinelles. Cité bourrée de troupes. Un petit peu trop bourrée. Imprenable. Imprenable. Vous avez fini de faire les difficiles. N'oubliez pas que nous avons les éclairs. Le seul problème est comment entrer dans la ville. Mais à mon avis, nous pourrons sûrement le résoudre. Enfin, je l'espère du moins. Je t'épouse tout de suite. Hé, hey, regarde les statues. Les statues! Oh, les statues! L'immortel de Darius de Tars a sculpté ses statues afin de rendre hommage à ta divinité. Nous n'attendons plus que ton signal pour commencer le sacrifice, Seigneur. Les sacrifices humains sont un hommage rendu au roi et aux dieux. Vive le dieu roi de l'air !
C'est de la belle besogne d'Arios de Tars. L'œuvre est digne du grand sculpteur que tu es. À Cadmos, dieu de l'Hellade, nous, Cadmos, roi de la Crète, nous dédions ce sacrifice. Essayez de pénétrer dans le palais. Oui, monseigneur. Ça va? Nerveuse, hein? Eh oui, crois-moi, ma chérie. Je n'ai pas vu de femme comme toi depuis des siècles. C'est tellement triste d'être seul quand on a le cœur débordant d'amour. Je suis bien auprès de toi. Hey.
la maison en vitesse. Tu as fini de flirter. Quant à toi, Casanova, tu as de la chance que je ne sois pas violent. Un peu trop nombreux. Bah, essayons. Écoutez, citoyens, à bas la tyrannie, vive la liberté, vive la liberté. À bas la tyrannie, vive la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Personne ne doit passer. Vous savez comment les exterminer. Bonjour. Bonjour. Essayez de résister. Hé, hey, les éclairs! Couvrez vite par trait! Ah.
écraser, comme tous ces insensés qui ont eu l'audace de me défier. Et ma juste colère le réduira à néant et renversera les faux dieux qui règnent sur l'Olympe. Tu crois ? Aujourd'hui, les dieux importent peu, Cadmos. C'est la lutte d'un homme contre un autre homme. Et toi, homme, tu as peur. Oublierais-tu à qui tu parles ? Et toi, oublierais-tu, Cadmos, que je t'ai créé Dieu ? Nos sujets croient en toi parce que je leur ai enseigné à y croire. Tais-toi. Tu parles au Dieu des Crétois. Tu n'as rien d'un Dieu. Ne cherche pas à te donner le change. Tais-toi ! Ces folies à présent sont inutiles. Elles ne servent plus à rien. Raisonne ! Agis comme un homme. Tue-le ! Hermione est morte. Elle s'était rebellée. Nous l'avons châtiée de son sacrilège. Et maintenant, tu vas mourir. Toi aussi, et ton intelligence ne te servira à rien. Moi, je suis invulnérable. Pas toi, et mon épée te transpercera. Krios! 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 Tu vois, ça n'a rien eu de si compliqué. Il suffisait de vouloir. J'ai peur. Et maintenant? J'ai un peu froid. Tu auras toute la vie pour te réchauffer. Mon amour. Je t'aime. Non, c'est moi qui t'aime.
Non, c'est moi qui t'aime plus que tu m'aimes. Non, c'est moi qui non, t'aime. Non, je te demande bien pardon. Non, c'est moi. Qu'on en dise, ce fut une véritable entreprise de titans, n'est-ce pas ?